coup, Cal? Ouais, ça va. Et toi? Ouais. Cal, ça fait un bail qu'on bosse ensemble. Et jusqu'à présent, je t'avais jamais vu faire ça. On en a pas mal bavé, tous les deux. Enfin... c'est un sacré risque que t'as pris pour moi. Et je sais pas comment te remercier. Oublions tout ça. Je suis sérieux. Oh, tu sais, t'en fais pas pour moi. Mais par ici... t'es en danger. Peut-être que tu devrais disparaître. Je dois absolument repasser chez moi à prendre mon sac. Ta peur, ça a une dette envers moi. Je crois qu'il se trouve sur Nar Shadda. Ouais. On va plus se voir pendant un moment, prof. Ouais. Ok. Ok, Cal. Où tu vas? Mauvais signe. Tout le monde debout. Contrôle d'identité. Bon, mettez-vous en ligne. Sûrement une de ces inspections de routine. Est-ce qu'ils sont tous là? Oui, deuxième sœur. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. Tous ceux qui refuseront d'obtempérer se verront accusés de sédition. Qu'ils se livrent maintenant. Où tout le monde ici présent
sera alors exécuté sur le champ. Je pense qu'il est temps que quelqu'un se lance. Ça fait un bout de temps que je travaille sur cette planète. Longtemps avant la guerre. On rénovait des vaisseaux à cette époque. On était les vrais Kador. Ensuite, l'Empire est arrivé. Alors les ingénieurs sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers sont devenus des exploités. On sait tout ce qui se passe. Sauf que... on a peur de le dire. Pour l'Empire, nous ne valons absolument rien. Oui, c'est vrai. Non ! Voyez-vous ça, un sabre laser. Je maîtrise le Jedi ! Quoi ? Contrôle de la perturbation. Ça fait mal. Stop, ne bougez plus. Qu'est-ce que vous faites ici ? On se calme. J'ai un fugitif. Et... ah, te voilà. T'as entendu à la radio ? Un Jedi ? Prépare ton... c'est le prêtre, abat-le ! C'était ta dernière erreur. Un coup de chance. Contact confirmé. Abattez-le. J'ouvre le feu. Intermédiaire. J'ai pas besoin d'aide pour te tuer. J'ai fermé la porte. Pas le choix. Faut pas que je m'arrête. C'est comme ça que je me prépare. C'est comme ça qu'on se prépare à la mort. On n'a pas le temps de se reposer, Stormtrooper. Je suis le seul à entendre ça ? Faites attention ! Il faut faire gaffe ! Ah!
un sacré. Esquive encore. À l'avant. Arrête le train. Oh non! Il me faut un abri. Je dois foncer entre chaque rafale. Maintenant! Pas le choix, il faut monter. Qui êtes-vous ? Pas le temps !
Continue, allez, on te récupère dès qu'on peut. Quelque part. Je reconnais cette posture. Alors tu as été formé finalement. Qui était ton maître, Padawan? Une de mes victimes peut-être? Quel Jedi s'est sacrifié pour que toi tu puisses vivre? Très bien, tu n'esquiveras pas la suivante.
Alors éteins-moi ce truc. Et assieds-toi. Merci pour le coup de main. Mais vous êtes qui exactement ? Mon nom est Serejunda. Et voici mon capitaine, Gris Dritus. Comment ça va ? Le Mantis est mon vaisseau, mais je te conseille de bien écouter la dame. Alors, qui es-tu ? Cal, Kestis. Et cette femme, c'était qui ? Une inquisitrice impériale. Une adepte de la Force qui traque les Jedi sans relâche. Et maintenant qu'elle sait qui tu es, elle ne s'arrêtera pas tant que tu seras en vie. Comment vous savez ça ? Et pourquoi vous m'aidez ? Nous épions toutes leurs communications. On connaissait l'itinéraire des Inquisiteurs. Alors nous sommes venus. Ah oui ? À combien s'élève la prime pour un Jedi en ce moment ? Non, mais t'as entendu ça ? Je comprends. Tu as survécu seul pendant si longtemps que tu ne peux plus faire confiance à personne. C'est pour ça que tu es encore en vie. Mais il y a beaucoup plus en jeu que de survivre. Comme quoi ? Faire renaître l'Ordre Jedi de ses cendres. Vous deux ? Et personne d'autre ? Oh, on n'est pas assez bien pour toi ? Et le Conseil Jedi ? Disparu. Donc vous n'avez que moi. Capitaine, nous allons sur Pogano. D'accord. Et pendant ce temps-là, tâche de te reposer. Tu ne crains rien. Pour l'instant.